Mais alors, tu comprends, quand on entre en contact avec le Dieu intérieur, ça, tu comprends cette intensité, cette réalité, n'est-ce pas que ça a ça? Eh bien, ça a la même réalité, la même intensité avec le sens du divin éternel. Et c'est seulement le divin intérieur, on n'a pas besoin de s'en aller, comme ça, c'est seulement là. C'est l'expérience que j'ai eue en 1912. 1912. Premier contact. Le premier contact. Quand on entre dans. Comme ça. N'est-ce pas? Et puis c'est ça. Ça, c'est. Cette réalité concrète et cette intensité qui dépasse toutes les intensités physiques possibles. Et alors là, le sens de, c'est ça, le divin, n'est-ce pas? C'est le divin. Voilà la réalité du divin, c'est ça le divin. Oh, n'est-ce pas? On est le divin. Ça, c'est l'expérience, parce que ça, c'est une base. C'est l'expérience de base. Quand on a ça, alors on va plus ou moins vite, mais quand on se donne, on va très vite. Tu es extérieurement dans la position, ayant cette expérience, tu pourrais en quelques années faire tout ça. Commencer tout de suite le travail de transformation. Je l'ai eu, je te le donne comme indication, n'est-ce pas? Après un an de concentration exclusive sur trouver ça au-dedans de soi. N'est-ce pas? Entrer en contact avec le Dieu immanent. Je ne m'occupais que de ça, je ne pensais qu'à ça, je ne voulais que ça. Et c'était même amusant. J'ai résolu de le faire parce que je travaillais déjà depuis très longtemps, n'est-ce pas? Je savais, Madame Thion, c'était je savais, n'est-ce pas, que ce qu'était ma mission sur la Terre et tout ça, c'est-à-dire, n'est-ce pas? C'est l'être psychique qui appartient à cette créature, cette création-là, n'est-ce pas, cette formatée. Eh bien, c'était un 31 décembre, et que j'ai décidé dans l'année, n'est-ce pas? Et puis, j'avais un grand atelier qui était un peu plus grand que cette chambre, c'était carré, presque carré. Et il y avait une porte qui donnait sur une cour jardin. J'ai ouvert la petite porte et j'ai regardé le ciel. Et juste au moment où je regarde le ciel, une étoile filante. Et tu sais, n'est-ce pas, la tradition, si on formule une aspiration pendant le temps qu'on voit, n'est-ce pas, avant que l'étoile disparaisse, on est à la réalisation dans l'année. Et alors, juste, n'est-ce pas, jour et juste, c'était tout dans mon achat, l'union avec le divin. Et avant que le mois de décembre de l'année soit passé, j'ai eu l'expérience. Souvent, c'était comme ça. J'étais à Paris, je m'occupais de rien. C'est là que quand je marchais dans la rue, je ne pensais qu'à ça. Et quand je traversais le boulevard Saint-Michel, j'ai failli me faire écraser. C'est là que je t'ai raconté ça. C'était à cause de ça, parce que je ne pensais qu'à ça, cette concentration, concentration. Comme si on est assis devant une porte fermée. Et ça faisait mal, comme ça. Mal physiquement, de la pression, comme ça. Et puis tout d'un coup, n'est-ce pas, sans raison, je n'étais ni plus concentré, ni plus ceci, ni moins cela. Pouf! Ça souffle. Et alors,
Ça, c'était pas pendant des heures, ça a été pendant des mois, bon, que ça me quittait pas. Cette lumière, cet éblouissement, cette lumière et cette immensité. Et le sens que c'est ça qui veut, ça qui sait, ça qui dirige toute la vie, ça qui goûte tout, ça ne m'a jamais quitté. Pas une minute depuis ce moment-là. Et toujours quand j'avais une décision à prendre, je m'arrêtais une seconde et c'était de là que je le reçois. Mais il y a longtemps. Moi, j'ai fait beaucoup de choses en tant que. Il y a longtemps. Je te dis, c'était en 1912. Et maintenant, pauvre vieille carcasse, elle fait de son mieux. C'est la plus complète expression, ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, ce que tu veux, Seigneur, avec joie, quoi que ce soit, chaque seconde. Ça devrait aller relativement vite, mais je ne sais pas combien de temps ça prendra. C'est nouveau. C'est-à-dire que, tu comprends, on ne sait pas comment c'est quand on progresse. On ne sait pas où l'on va, ni dans aucune façon quel chemin l'on suit. Alors on ne sait pas, il y a toutes sortes de choses qui se passent, mais est-ce que c'est dans le chemin ou est-ce que c'est pas dans le chemin? C'est seulement au bout qu'on saura. Bien. Allô, au revoir, mon petit, une bonne année. J'espère que tu auras une expérience décisive dans l'année.